Eh bien, bonjour tout le monde. Bienvenue sur l'après-ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais réagir en direct par rapport à deux bandes-annonces de l'un des films que j'attends le plus pour l'année prochaine, en 2022. Il s'agit de Scream numéro 5. D'abord, je vais commencer par un concept de bande-annonce faite par un fan que, eh bien, voilà, je vais vous faire découvrir. Alors, et après, je ferai la bande-annonce officielle en version française, puisque la première est en américain. Alors, donc, je fais avec les moyens du bord, hein. Je n'ai pas un système perfectionné dans mon ordinateur pour vous mettre en haut de l'écran ou quelque part par-ci par-là la fenêtre de la bande-annonce. Je l'ai fait donc avec mon autre smartphone, à savoir un Samsung Galaxy A12. Donc, la dénomination de cette bande-annonce, c'est un Scream 5 New Trailer 2020. Entre parenthèses, Blumhouse. La chaîne s'appelle Lance Sizemore Presents, qui a été postée, eh bien, il y a plus de 2 ans. Hein, c'était le 28 août 2019. Et voilà, donc c'est parti. Alors je vais mettre en plein écran. D'abord je vais brancher mon enceinte Bluetooth que vous puissiez entendre. Ah, je vais la mettre là, ici. Voilà. Allez. Alors, plein écran. Je vais essayer de jouer avec le contre-jour, hein, désolé, hein. Il y a de la réverbération. Je vais essayer de me basculer au... Vraiment, je fais ce que je peux avec les moyens, les modestes moyens que j'ai. Voilà. Un peu plus le fort, le son, pas trop quand même. Bon, je vous la remets. Dimanche un film, ouais. Et là, c'est Blumhouse. Pause. Alors que déjà, ben, mon téléphone il est pas léger, hein. C'est un gros smartphone.
Et moi, je ne suis pas musclé, polonais. Alors déjà, le tout début, j'adore. J'adore, vraiment là. On est tout de suite, je suis tout de suite dans l'ambiance. Avec eh bien, cette voix qui vient d'outre-tombe. Ah oui, hein. Sidney, 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 Sid, ton vieil ami revient. Ah. Bon, alors, la suite de cette bande-annonce, tant que voilà, ça se remet en route. Déjà, le début est. Je suis complètement dedans là. Bon. Quand même, mine de rien, cette bande-annonce a été vue 73 000 fois. Ce qui fait quand même un beau score, hein. Voilà, je vous reprends là, à peu près à 1 minute 4 et quelques secondes. J'aime beaucoup moins la deuxième partie. Le montage est trop, pour moi, épileptique. C'est trop en flash. C'est amusant, mais il faut être observateur. Il y a la tête de Michael Myers qui se reflète dans la glace d'une maison. Bon, un clin d'œil amusant, mais enfin bon, qui n'a rien à faire dans Scream. Hein. C'est deux mondes différents, même si ce sont des slashers. Moi, je valide quand même que la première partie, à partir de 1 minute, allez, 10 secondes. Le reste, ouais, j'aime pas vraiment. Mais quand même, c'est du bon travail de fan, hein. Je le reconnais. Étant un fan moi-même depuis 1996, depuis que j'ai découvert ce magnifique film du très regretté Monsieur Craven. Moi, j'ai vraiment, voilà, c'est dès le départ avec cette voix de psychopathe, je suis, j'adore. Bien. Alors, maintenant, la bande-annonce officielle en français. Que je retrouve ça.
Donc, alors, il faut que je retrouve. Je vais marquer. Je vais. Voilà. Alors. Bande annonce officielle Scream 5. Pof, voilà. Je l'ai ou pas? Alors, il y a une, alors, une toute récente. Enfin, j'ai deux possibilités, soit sur la chaîne Au Ciné, ou alors Film Actu. Je vais prendre celle de Au Ciné, sortie il y a une semaine. Elle dure plus longtemps. Puisque la première, ben, elle est. Alors déjà, c'est marqué version française, mais c'est pas marqué en fait. Mais oui, non, mais c'est version française, sous-titrage. Non, version anglaise, version américaine, sous-titrage français. Donc, je voudrais bien avoir que du français. Voilà, donc celle-là, elle dure 2 minutes 47 secondes. Donc, j'espère que c'est le cas. Non, celle-là est sortie le 12 octobre hein, dernier. Hein. Donc c'est tout récent. Donc la chaîne Au Ciné, hein, 5012 vues. Allez, c'est parti. Je bascule en plein écran. Mais il y a un problème. Voilà. Allez. Non, je vais faire, je vais essayer de jouer hein, par rapport au contre-jour. Ciné Prescott, bien sûr que j'ai une arme. J'ai l'impression que cette fois c'est différent. Samantha, je suis. Je sais qui vous êtes. Je suis passée par là, encore et encore. Ce sera ta vie à partir de maintenant, parce que qui que ce soit, il va pas te lâcher. T'es prête? Pour ça? Jamais. Arrêtez! Attendez, attendez! Il y a certaines règles pour survivre. Il s'en est pris uniquement à des gens liés au premier tueur. Je sais pas quel lien il a avec notre passé, mais on se retrouve tous ici. Et je dormirai pas tant qu'il sera pas mort. Oui. Je valide à 100%. Oh, le fait de revoir les antagonistes originaux, c'est. Alors, je ne sais pas quelle place ils vont avoir exactement dans l'histoire, puisque là, bon, ben, est mis en avant une jeune génération qui va se faire eh bien. Mais évidemment, je suis prêt à gager. Slasher les uns après les autres, hein. C'est tout slash en anglais. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire poignarder, trucider, comme vous voulez.
Donc je ne connais pas du tout ces acteurs, ces jeunes acteurs, actrices. Mais voilà. Oui. Sydney Prescott, Neve Campbell, une de mes actrices, une de mes actrices préférées, une de mes chouchoutes. Et puis bien sûr, revoir Gale Weathers et Dewey en anglais. Et en fait, en français, c'est Dewey. C'est un jeu de mots, en fait, pour les ignorants et les ignorantes. Dewey, dans le premier film, dans le film 1, la regrettée Tatou, qui se fait malheureusement tuer. C'est d'ailleurs la deuxième qui se fait tuer dans l'histoire. C'était la sœur de Dewey. Et en fait, c'est un surnom qu'il a. C'est Dewey. Vous comprenez? Bon, oui, non. C'est un jeu de mots. Et voilà. Je suis vraiment hyper content de les retrouver à l'écran. Franchement, je ne pensais pas qu'un Scream 5 un jour sortirait. Mais je me doutais bien que, vu la tournure que prenait à toute fin, je parle bien à toute fin du Scream 4, c'était une porte ouverte. Que j'avais compris. Bon. Point de suspension. J'en dis pas plus. S'il y a des personnes qui ne connaissent pas ce film, je ne vais pas faire de révélation. Voilà. Bon, ben. Alors, je vais dans le descriptif de la vidéo. Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, ben, juste marqué, voyez, ouais, donc c'est un film Paramount Pictures, donc qui n'a rien à voir avec l'autre bande-annonce, qui était, bien sûr, factice. Enfin, c'était un concept que deux studios étaient en jeu, Dimension Film et Blumhouse. Il faut savoir quand même que Dimension Film, si je ne me trompe pas, c'est ceux qui avaient produit, à moins que je me trompe, les deux ou trois premiers Scream. Et peut-être que je me trompe. Rectifiez-moi dans les commentaires. Hein. Vous êtes bienvenus. Si vous êtes bien intentionné, bien sûr. Eh bien, c'est tout ce que je pouvais dire là-dessus. Bon, je ne sais pas de quoi ça parle, ce dont on va parler. Ce dont on va parler, eh bien, ce Scream 5, je ne veux pas le savoir tant que je m'arrête à ça. C'est tellement important pour moi, cette saga, que voilà, quand il va sortir, je n'écouterai pas de critique. Les oreilles bouchées, je ne lirai rien sur Internet. J'attendrai, eh bien, comme c'est parti là, ben. L'année prochaine, je ne pourrai pas bien retourner au cinéma, puisque bien, à cause de ce maudit pass sanitaire ici en France, obligé d'être prolongé, hein, jusqu'au 31 juillet 2022. Donc, j'ai deux solutions. Soit je le verrai en téléchargement. Ou eh bien je l'achèterai en sortie Blu-ray ou DVD plus tard après sa sortie. Donc ça sera peut-être courant printemps l'année prochaine. Après, bon, je ne pourrais pas attendre la sortie en physique. Je le verrai malheureusement en téléchargement. Donc j'annonce la couleur. J'aurais tellement aimé de le voir au cinéma, habillé en gauche-fesse. Mais oui. Et juste, ben, très malheureusement, la mort dans l'âme, je ne pourrais pas aller dans les salles obscures. C'est comme ça. Hors de question de payer en plus,
En plus, pour faire ce test obligatoire pour avoir le pass sanitaire. Précision faite. Et je finis là-dessus, chers amis. Laissez-moi écouter, bien, comme d'habitude, vos commentaires en dessous, que l'on puisse discuter sur ce que je vous ai proposé aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez, partagez mes autres vidéos, laissez-moi un M. N'oubliez pas de regarder mon actualité sur mes autres comptes de réseaux sociaux, à savoir Twitter, La Presse Ciné, page Facebook, Post Ciné, compte Instagram, Ciné, petit tiré, série au pluriel, petit tiré, passion, TikTok, Slasher Forever 1996, et Snapchat, Leatherface 1973. C'était Fred, et moi je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les films d'horreur? Et une deuxième en bonus, quel est votre film d'horreur préféré? C'était Fred, salut.